Dans l'épisode précédent, nous avions découvert un incipit, un premier chapitre Harry Potter inédit au cinéma. Il servait surtout à présenter les détestables Dursley et à glisser quelques indices sur le monde magique. Nous avions aussi parlé du point de vue narratif de J.K. Rowling, qui nous plongeait dans les pensées et les émotions de Harry. Pour ce deuxième épisode, nous allons nous concentrer sur l'enfance d'Harry Potter. Petit rappel, après la mort de ses parents et la chute de Lord Voldemort, le petit sorcier a été confié à son oncle et à sa tante, par Albus Dumbledore. Confier un sorcier aux Dursley qui détestent la magie et les Potter, en voilà une bien belle idée moisie de la part d'Albus, vous devez penser. Mais bon, nous en parlerons dans un prochain épisode. La jeunesse de Harry Potter forme un autre grand morceau du début de l'école des sorciers, la partie principale d'ailleurs de ce que l'on appelle la situation initiale d'un schéma narratif. Les premiers chapitres d'un livre servent à poser les trois bases d'une histoire. On nous présente une époque, qu'elle soit passée, contemporaine ou lointaine. Nous partons ensuite à la rencontre d'un ou de plusieurs personnages principaux. Et enfin, le cadre spatio-temporel est achevé avec la description d'un lieu, d'un monde où se déroule l'histoire. Cela peut se passer sur notre Terre, dans un univers imaginaire ou un subtil mélange des deux. Dans la structure du schéma narratif, on appelle cette première partie d'un récit la situation initiale, qui sera ensuite cassée par un élément perturbateur qui viendra détruire l'équilibre du héros, l'obligeant à partir à l'aventure. Viennent ensuite les péripéties qui représentent le plus gros morceau de l'histoire avec beaucoup d'action. Deux missions dans la mission, c'est aussi dans cette étape que le personnage rencontre ceux qui deviendront ses alliés et qui l'aideront dans sa quête. Il peut aussi y rencontrer certains de ses ennemis d'ailleurs. L'élément de résolution, le dénouement, intervient enfin et met en place la situation finale de l'histoire, un état stable que retrouve le héros. Le schéma narratif n'est bien sûr pas unique à Harry Potter, ni même à la littérature. Il peut s'appliquer à tous vos films et à vos histoires préférées. Dans Retour vers le futur, la situation initiale présente le quotidien de Marty. Viennent ensuite le Doc et la machine à voyager dans le temps, qui est l'élément perturbateur qui envoie Marty dans le passé. Toutes les actions dans le passé, toutes les péripéties, l'élément de résolution, les parents de Marty qui tombent amoureux, et enfin la situation finale, Marty est de retour chez lui. La découverte du personnage principal est des plus importantes. On découvre son quotidien, son entourage, le but est de nous faire nous identifier à lui. Plus on se reconnaîtra en lui, plus on aura de l'attachement pour ce personnage et nous serons pris dans l'histoire. Même si le début du film est très fidèle au roman, l'exposition de la vie de Harry Potter est bien plus longue et plus fournie dans le livre. La partie chez les Dursley a subi un lifting lors de l'adaptation cinéma, et il y a pas mal de choses que vous n'avez jamais vues. D'une manière générale, les Dursley du livre sont bien plus méchants envers Harry, qui est vraiment le pestiféré de la maison. Par exemple, les Dursley ne voulaient pas emmener Harry au zoo. Comme ils n'ont personne pour le garder, ils s'y obligent, bien qu'ils aient vraiment pensé à toutes les possibilités. Nous pourrions peut-être l'emmener au zoo et le laisser dans la voiture en nous attendant. La voiture est toute neuve, pas question de le laisser tout seul là-dedans. Ok, Harry est vraiment traité comme un chien qui tâche tout ce qu'il touche. Grâce à la narration de J.K. Rowling qui nous plonge dans les souvenirs de Harry, on apprend aussi que les Dursley n'ont pas de soucis avec l'humiliation physique de leur neveu. Un jour, la tante Petunia ne supportant plus les cheveux en bataille de Harry, lui rasa la tête presque entièrement en laissant juste une mèche pour cacher sa cicatrice. Heureusement, ses pouvoirs magiques viendront à sa rescousse, faisant repousser ses cheveux en une seule nuit. Autre souvenir, son quotidien à l'école Moldue où notre héros n'a pas de répit. Dudley étant un caïd, personne n'ose le contrarier en devenant l'ami de Harry. D'ailleurs, il est souvent une cible pour la bande de son cousin. Un souvenir qui l'a particulièrement marqué, c'est la fois où il a dû courir pour leur échapper et soudainement il s'était téléporté sur le toit de l'école, loin de ses assaillants mais en fâcheuse posture. Encore un événement inexpliqué pour quelqu'un qui ne sait pas qu'il est un sorcier.
C'est ce genre de choses dont parle Hagrid lorsqu'il lui dit « Il s'est jamais passé de choses bizarres, de choses inexplicables quand tu étais en colère ou que tu avais peur. » Et en utilisant la magie sans le faire exprès, il ne fait qu'augmenter la haine des Dursley à son égard. Impossible d'entrer dans la famille dans ces conditions. Pire encore, les Dursley manipulent mentalement Harry. Si dans la chambre des secrets nous ne le retrouvons pas dans le placard sous l'escalier, c'est parce qu'il déménage dès la première histoire. Comme par hasard, après avoir reçu les lettres de Poudlard, les Dursley tentent de détourner son attention en lui offrant une chambre, quelque chose qu'il aurait déjà dû avoir de base. C'est de la manipulation pure, essayer d'attirer sa sympathie ou de la reconnaissance pour calmer sa curiosité. Ces plusieurs extraits qui épaississent la brutalité des Dursley sont effacés du film, logiquement, notamment les nombreux souvenirs et flashbacks qui auraient cassé le rythme du début. Un film est un média différent, il n'a pas les mêmes armes qu'un lecteur qui a tout son temps pour découvrir une histoire et les moyens d'imaginer celle-ci dans sa tête. Nous l'avons déjà vu ensemble, une bonne adaptation doit savoir faire ses coupes ou ses changements. Le film choisit de lisser ce modèle en ne retenant que l'essentiel de la maltraitance d'Harry. Et c'est déjà beaucoup! Le placard sous l'escalier, la condition d'esclave, la différence flagrante de traitement entre Dudley et Harry. Rajoutez à cela l'aura de Harry et sa gentillesse qui transpire, et la mission est largement remplie au cinéma. On s'attache à lui, on déteste les Dursley, et on imagine que ce petit bourg a une enfance bien plus belle parmi des sorciers. Cette enfance malheureuse me permet d'ailleurs de vous parler d'un parallèle que j'aime beaucoup concernant Harry Potter. La ressemblance qui existe entre le jeune sorcier et Cosette du roman Les Misérables. Dans le roman de Victor Hugo, Fantine, abandonnée par son compagnon, confie sa fille Cosette à un couple d'aubergistes, les Thénardier, afin d'avoir le temps de travailler plus pour gagner plus. Mais on ne pouvait pas choisir pire que les Thénardier, puisque ceux-ci feront vivre Cosette dans la misère, l'utiliseront comme une esclave et réclameront toujours plus d'argent à Fantine pour la garder. Comme à l'époque il est très mal vu d'être mère célibataire, Fantine sera renvoyée. Elle devra vendre ses cheveux, ses dents, se prostituer pour payer les Thénardier qui la ruineront jusqu'à la mort. Juste avant la fin, elle aura le temps de confier à Jean Valjean la mission de retrouver sa fille. Celui-ci tiendra parole en débarquant chez les Thénardier, en les payant et en emportant la petite loin de ses tourmenteurs. I'll be father and mother to you. Oh. Cela ne vous rappelle rien ? Un colosse inconnu du héros qui gagne immédiatement sa confiance et l'emmène loin pour lui offrir la vie qu'il mérite. Hagrid accomplit exactement la même mission pour le jeune Potter. Harry et Cosette ont tous les deux vécu une douloureuse jeunesse à cause de personnes censées les protéger. À cause de leur tempérament plutôt doux, ils sont utilisés et traités comme des moins que rien au détriment d'autres enfants chouchoutés alors qu'ils sont méprisables. Dans Les Misérables, les Thénardier détestent Cosette sans raison et sont si méchants qu'à partir du moment où ils perdent le contrôle de la situation face à Jean Valjean, ils deviennent ridicules. Après toutes leurs mauvaises actions, on s'amuse volontiers d'eux, comme les Dursley qui perdent toute crédibilité dès l'arrivée d'Hagrid et forment par la suite des Comic Relief, avec une certaine menace mais qui s'étouffera chaque année. Il traversa un corridor et parvint à l'escalier. Là, il entendit un petit bruit très doux qui ressemblait à une respiration d'enfant. Il se laissa conduire par ce bruit et arriva à une espèce d'enfoncement triangulaire pratiqué sous l'escalier, ou pour mieux dire, formé par l'escalier même. Cet enfoncement n'était autre chose que le dessous des marches. Là, il y avait un lit. Cela était posé à terre sur le carreau. Dans ce lit, Cosette dormait. La petite martyre des Thénardier dort donc sous l'escalier, comme Harry dans son placard. Coïncidence ? Peut-être pas. J.K. Rowling a étudié le français à l'université, et elle a forcément dû rencontrer Victor Hugo et ses Misérables lors de son apprentissage. Cela reste des suppositions, mais j'imagine qu'une dame avec un tel talent a dû apprécier les chefs-d'œuvre de l'écrivain français. Dans un article où il aborde ces similitudes, Hogwarts Professor parle notamment du fait que Victor Hugo critiquait énormément le pouvoir en place à son époque, notamment Napoléon III, qui l'obligea à s'exiler loin de sa France chérie. J.K. Rowling n'aura pas besoin d'aller jusque-là, heureusement, mais elle sera aussi très critique vis-à-vis de la politique à travers le ministère de la magie, particulièrement dans l'Ordre du Phénix. Hogwarts Professor pointe aussi le fait que Victor Hugo admirait un personnage particulier, au point de le mentionner une dizaine de fois dans Notre-Dame de Paris, Nicolas Flamel,
encore un charmant lien avec Harry Potter à l'école des sorciers. D'ailleurs, à la fin de la saga, l'un des fils d'Hermione et Ron s'appelle Hugo. Un autre clin d'œil. Et voilà, nous abordons déjà la fin de l'épisode. Je ne sais pas vous, mais j'ai toujours trouvé ça passionnant de découvrir un peu les liens qui existent entre plusieurs œuvres. Où un écrivain a pu puiser ses idées pour forger sa propre aventure. Nous en reparlerons sûrement plus tard. Et bien sûr, je ne peux que vous conseiller de lire Les Misérables, ce chef-d'œuvre de Victor Hugo. Et s'il est vrai que J.K. Rowling s'est inspirée de lui, elle a su tirer profit du meilleur pour peindre le cauchemar de Harry. Un Harry qui a vécu bien plus que ce que l'on a pu voir au cinéma, et encore, je n'ai pas eu le temps de tout vous dire. Le meilleur restera d'ouvrir le livre. Une jeunesse triste, mais pas irréaliste. Espérons seulement que dans notre monde un jour, chaque enfant trouvera son Hagrid. On conclut cet épisode en chanson. N'oubliez pas de voter pour le sondage et de vous abonner pour ne pas rater l'épisode 3. Un grand merci à tous. She says, Cosette, I love you very much. I know a place where no one's lost. I know a place where no one cries. Crying at all is not allowed. Not in my castle or neck.